et la musique. Hein. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Ceci pour vous rappeler que vous allez assister au spectacle de Étienne. Très bien. Non, c'est parce qu'il y en a qui lisent Étienne, Iti, Eugène. Étienne et Eugène. Alors, je m'appelle Étienne et Eugène, il habite juste ici à côté de moi, dans une boîte à violon. Pour le réveiller, c'est très simple. Il suffit simplement de frapper à sa porte, il répond, il sort et il vient dire bonsoir à tout le monde. Eugène. Eugène. Réponds. Oh, tu réponds ou quoi? Il fait exprès. Bon, j'ai besoin de vous. Une bonne manière pour qu'ils répondent, je compte jusqu'à 4 et tous ensemble, vous appelez Eugène. D'accord? On y va. 1, 2, 3, 4! Oh non, pas pleureux, hein? Bon, parce que Eugène est super gentil, hein, t'inquiète. Bon, t'as entendu là? Pardon? Ah. Tu veux bien sortir, s'il te plaît? Pardon? Comment non? Et pourquoi tu ne veux pas sortir? Je suis pas habillé. Pardon? Je suis pas habillé. Tu n'es pas encore habillé? Le spectacle vient de commencer. Oui. Ah oui? Alors tu t'habilles en vitesse, j'ouvre la boîte, hop, hop, et on y va. Et je ne suis pas. Ah bon? Il faut pas habiller. Ça y est? Tu te dépêches là, on t'attend. Hein. Deux secondes. Oui, arrête. Tu t'habilles. Ça y est? Deux secondes. Arrête de dire deux secondes! Je ne veux plus t'entendre dire deux secondes. Bon, ça y est? Trois secondes. Arrête! Casqué! Bon, tu t'habilles en vitesse et tu sors de là, hein? Tu mets tes chaussures. C'est des chaussures ou c'est des baskets? Ben, mets tes baskets, c'est pareil, hein? C'est des chaussures, hein? Voilà. Les lacets convenablement. Voilà. Et tu viens dire bonjour à tout le monde. Ah oui! Allez, dépêche-toi. Cette fois-ci, tu arrêtes de faire ton traîneur. Sors de là. Je suis sorti. C'est bien. Ferme ta boîte. Pardon? Ferme ta boîte. J'ai encore rien dit. Non. Ta boîte, celle-là. Ah, celle-là. Ben oui. Voilà, c'est bien. Ah, j'ai fait là parce que j'en ai. Tu peux la déposer là. Là? Oui, tu peux la déposer là. Là? Oui, tu peux la déposer là. Là? Oui, tu peux la déposer là. Là. Eugène. Déposer, j'ai dit pas jeter. La glisser, Eugène. La glisser, j'en voudrais une. Allez, installe-toi. Je suis installé. Allez, on peut y aller. On peut y aller. C'est parti. Spectacle. Allez, on y va. On y va. Eugène. Étienne. T'arrêtes de répéter tout ce que je dis, hein. J'arrive. Allez, on y va. On y va. Eugène. Étienne. On commence le spectacle. Ah, d'accord, on commence, alors on y va. Qu'est-ce que t'attends, là? Et tu dois présenter. Mais les présentations ont déjà été faites. Quand? Et, voici quelques secondes. J'étais quand là? Et alors? Pour commencer. Oh, ça faisait bien un petit gourmet. Bon, pour Eugène, je vais donc recommencer les présentations. C'est la même chose, on t'écoute. Bonsoir mesdames, bonsoir mademoiselles et bonsoir messieurs. Qu'est-ce que tu fais là? T'as les enfants. Et bien sûr, bonsoir à tous les enfants qui nous ont rejoints ce soir. Eugène et moi-même sommes très... Qu'est-ce que tu fais là? Continue, continue. Eugène et moi-même sommes très heureux d'être en votre... Eugène! Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai déjà dit plus de 100 fois, j'ai horreur que l'on fasse des grimaces derrière moi lorsque je parle. C'est pas derrière, ce devant. C'est la même chose. C'est la même chose? Oui, c'est la même chose. Faut toujours que tu aies raison. Ah ben c'est comme ça. Si tu te crois si malin, tu n'as qu'à présenter toi-même. Hein. Je présente? Tu peux présenter. Je présente? Tu peux présenter. Oui, mais qui est casqué? Vas-y. Oh la con, j'ai dit. Qu'est-ce que t'attends là? Deux secondes, je jauge. Ouais, c'est ça. Salut les gars! Salut les gonzesses! Eugène! Moi, c'est comme il a dit, je m'appelle Eugène, et où il y a Eugène, il y a du plaisir. Et c'est tout. C'est tout. C'est court. C'est court, c'est bien. Oh, c'est bien, c'est bien.
T'as oublié de présenter quelqu'un. Oui, qui ça? Quelqu'un à côté de toi. Il y a personne. Non, de l'autre côté. Il y a personne. C'est moi. Ah, j'ai oublié. J'ai oublié. Fais exprès ma parole. Oui, je fais exprès. Du. Alors tu me présentes, s'il te plaît, et en vitesse. Je le présente, s'il vous plaît, et en vitesse. C'est nul. Il est nul. Non. Pas moi qui suis nul, c'est toi qui es nul. Mais pourquoi? Ben, tu ne t'es pas présenté, hein. Comment est-ce qu'il faut faire? Il suffit simplement de dire, mesdames et messieurs, chers enfants, mesdames et messieurs, chers j'ai le plaisir de vous présenter mon ami le ventriloque, il s'appelle Étienne Renard. Qu'est-ce qu'il y a? Étienne Renard. C'est un nom comme un autre, hein, ça va? Allez, vas-y, tu dis ça. Bon, d'accord. Mesdames et messieurs, chers enfants. Très bien. J'ai le plaisir de présenter mon grand ami le... Comment va déjà dire ce machin? Ventriloque. Ventriloque. Il s'appelle Étienne le connard. Non, Renard. Oh. Ah, petite erreur. Je me suis trompé, arrêtez. Bah oui, tu t'es trompé. Je voulais dire le canard et j'ai dit le connard. J'ai une tête de canard. S'il te plaît, hein. Étienne Renard. Étienne. Non. Mais tu casses pied, hein. Mesdames et messieurs, le corbeau et le renard. Oui, ben voyons. Et le fromage. Oui, oh, l'erreur. Ça suffit. Les présentations sont terminées. Les présentations sont terminées. Et t'arrêtes de décoller. T'arrêtes de décoller, toi. C'est pas lui qui déconne, c'est toi. C'est pas lui, c'est toi. Non. Eugène. Oui. C'est toi. Moi? Oui. Désolé, désolé. C'est moi qui déconne, arrêtez. Oh, t'es insupportable, hein. On va pas faire un sketch comme ça tout le temps. Non, 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 non. Mesdames et messieurs, chers enfants, mon cher Étienne. Oui, je me méfie quand tu dis, mon cher Étienne. Ce soir, oui, j'ai une grande surprise à vous annoncer. Une grande surprise? Oui. Je ne suis pas au courant. C'est pour ça que c'est une surprise. Qu'est-ce que c'est? Je viens de terminer le tournage d'un film. D'un film? Oui. Après la télévision, tu vas faire du cinéma. Exactement. L'écran était un peu trop petit, alors je me suis dit... Grandir. Et c'est quoi comme film? Extraordinaire. Oui. Quel genre? Un western. Un western? Oui. Comment ça s'appelle? Il était une fois Eugène dans l'Ouest. Et tu vas nous interpréter... Un petit morceau. C'est pas vrai. Si. Alors, Mylène, encore un peu la surprise. Quelle surprise? Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que t'as prévu? Merci. Oh, voilà. Merci beaucoup, Mylène. Attends, je sais pas. Voilà. Un petit peu de café, maintenant. Arrête. Elle est quand même gentille, hein. Elle t'apporte ton chapeau. C'est pas un chapeau, c'est deux. Pourquoi faire? Eugène, c'est pourquoi faire deux chapeaux? Même-toi. Qu'est-ce que tu fais? Oh, non! Oh! Il y en a un pour lui. Et un pour toi. Voilà. Eugène, s'il te plaît. J'ai l'air ridicule, moi, avec un chapeau. Pourquoi c'est un chapeau, tu dis quoi? Mais arrête! Et pas comme moi, voilà. T'as une tête avec ça? Et la tienne, tu dirais. Bon, vas-y. Mesdames et messieurs, on commence. Attention, chers enfants, regardez. Je suis sur mon cheval. Ah ouais? Et j'arrive dans la ville. Quelle ville? Marche en Flamène City. Il manque quelque chose. Pardon? Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Le fond sonore. Écoute, Eugène, c'est une surprise, il n'y a pas de fond sonore. Tu te débrouilles. Oh, d'accord. Tu sais, j'entends? Non. Sérieux, t'es le nom. Eugène, tu... Tu sais faire le galop d'un cheval? Le galop d'un cheval? Comme ça. Ah ouais, ça va, je sais le faire. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Il nage dans la boue, celui-là. La lampe. Quoi? Tu dois regarder l'intérieur. Ah oui, comme ça. Et vas-y.
Qu'est-ce qu'il y a? Une avance, on dirait un arbre. Avance, avance. Non, pas de vent. Allez, vas-y. Montrez-lui un peu, vas-y, faites un peu. Voilà, t'as un troupeau, là, tu vois? Oui, oh, ça va, hein. Oui, monsieur, dame, ça va, j'ai compris, j'ai compris. Très bien, voilà, tu fais ça, et moi, je chante. Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Bon, je vais te le dire en indien. En indien? Oui. Toi, faire cheval. Oui. Moi, chanter. Mm-hmm. Est-ce que tu as compris? Oui, oui, oui. Oui, moi, comprendre, oui, ça. Mais moi, dire, pas possible. Pourquoi? Je sais pas faire deux choses en même temps. Tu fais des choses, t'en fais une, je fais l'autre. Bah, allez, bon. Allez. Quoi, allez? Une, viens. Bon, bon. Oui, ça va, j'ai compris. C'est bien. Je te l'avais dit. Tu suis une conseil, tu vas bien. Alors, ça commence comment? Je descends de mon cheval. À marche en Famine City. Bien. Et je crie. Tu cries? Déjà? Oui. Joe, sors de là! C'est qui? Pardon? C'est qui, Joe? C'est celui qui m'a volé mon or. Oh. Tu es un chercheur d'or dans le film. Une petite anecdote sur celui qui a joué le rôle de Joe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le metteur en scène lui a dit, pour un chercheur d'or, vous ne payez pas de mine. Il a dit à sa femme, filons d'ici. Oui. Il a eu un remplaçant? Oui, super. Ah, il jouait bien celui-là. Oui. Donc, je crie, Joe, sors de là! De où? Pardon? De où? Quoi de où? Tu dis, Joe sort de là. D'où doit-il sortir? Du saloon. Hein? Et comment savais-tu qu'il était allé au saloon? Je savais qu'il était le rejoint de sa fiancée, Diane. Et alors? Les deux chevaux étaient garés devant. Les deux chevaux de Diane. Oui, c'est un peu dur, ça là. Hein? Tout à coup! Qu'est-ce qu'il y a? Joe sort du saloon. Ah! De l'action! Attention! Je vais vous le faire. Tu vas nous le faire? Oui. Bien, je... Il est rentré, il a oublié quelque chose? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait, ton Joe, là? Il joue avec la porte ou quoi? Eugène, que se passe-t-il? Joe est sorti du saloon. Avec ses cinq frères. C'est à ce moment-là que j'ai une réplique extraordinaire dans le film. Ah ! Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu dis ? Je regarde Joe dans les yeux et je lui dis « Joe ! Eugène ! Eugène ! » Elle est bien, elle est bien, elle est bien. Continue, continue. Et c'est à ce moment-là que Joe dit à ses frères « Laissez-le-moi ! » Et c'est le grand duel. Waouh, il y a de l'action. Tu vas jouer le rôle de Joe. Pardon? Tu vas jouer le rôle de Joe. Je suis pas un acteur, moi. T'as qu'une phrase à dire? Quelle phrase? Tu dois dire, non, Jean, à toi. C'est qui, ça, Jean? C'est moi. Ah, tu t'appelles Jean dans le film? Oui, comme Jean Tonic. Oui, tu en vas. Whisky Coca, Jean Tonic. Arrête! T'es fait? Oui. Scène d'Hélène, première. Non, ça c'est un autre cheval, c'est rien. Ouais, c'est un poney, quoi. Arrête, vas-y. Bon, scène d'Hélène, première. Vas-y, Joe, dégaine. Ah,
Jean, à toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es nul. Comment ça? Tu te rends compte, on va se tirer dessus. Et alors? On doit sentir la haine, la méchanceté qui sort de ta voix. Non, arrête. C'est hyper difficile, hein, ça. Ah, tu sais? Bon. Il fallait me le dire, je me serais entraîné, hein. Attention, scène du duel, deuxième. Vas-y, Joe! Dégaine! Non, Jean, à toi. Qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es content de me faire la trouille. Fais savoir ce que tu veux, hein. J'ai vu, moi, il faut furieux, hein. J'ai cru qu'il allait me bouffer. Mais arrête, hein. Calme tes ardeurs, hein. Oui, calme tes ardeurs. Et c'est tout, hein. Tu... Comment est-ce que je dois faire, alors? Entre les deux. Scène du duel, troisième. Vas-y, Joe! Dégaine! Non, Jean! À toi! Non, Joe! À toi! Non, Jean! À toi! Non, Joe! À toi! Non! Jean, à toi! Non, Joe, à toi! Dis, ça va durer longtemps ton truc là. Petit quart d'heure, mais c'est trop long, hein! Mais qu'est-ce qui se passe après un quart d'heure? On se tire tous les deux dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis touché. Je vais même pas tirer. C'est dans le film, mes couillons. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai une réplique extraordinaire. Bon, oui. Qu'est-ce que tu dis encore? Joe! Si tu recommences, je ne te regarde plus. Bah voyons, c'est n'importe quoi, ça. Et qu'est-ce qu'il répond, Joe? Je m'accroche près de lui, il est étendu sur la terre. Tu l'as vu? Oui, une seule bonne claque. Je m'accroche près de lui, je lui dis, Joe, où est mon or? Où est mon or? Et qu'est-ce qu'il te répond? Et il me dit que ça? Ouais. Et comment est-ce que tu vas savoir où est ton or, alors? C'est comme dans Dallas. Suite au prochain épisode. Merci. Salut. Yeah. Merci. Un chapeau. Yeah. Étienne et Eugène.